Je vais essayer de passer à un autre empire, l'empire islamique, qui lui est très rarement évoqué comme un modèle, hein, contrairement à Rome. Dans la liste d'ailleurs des héritiers de Rome que tu as déroulée tout à l'heure, il ne figurait pas. Or pour moi, c'est l'empire, enfin c'est l'héritier médiéval. Alors bien sûr, tu as évoqué Ibn Khaldoun, donc l'islam, avec un I majuscule, je reviendrai, était présent, mais l'empire islamique est quand même l'un des grands héritiers, pas forcément du modèle romain, mais de l'empire romain. Et pourtant, donc, il s'agit bien d'un modèle, il s'agit bien, pardon, d'un empire, le plus puissant peut-être du Moyen-Âge, mais d'un empire qui, dans l'historiographie européenne, a été et toujours l'objet des fantasmes les plus contradictoires. Il est tour à tour l'incarnation même du despotisme oriental, je vous renvoie à la peinture orientaliste, où vous voyez des souverains aussi cruels que raffinés assistant à l'assassinat dans des bains morts de différents personnages. Ou tout à fait à l'opposé, celui d'une tolérance aujourd'hui disparue dans le monde de l'islam. Une tolérance à l'égard des autres religions monothéistes et que pratiquaient des souverains éclairés, aimant le vin, les esclaves chanteuses et les éphèbes et qui mangeaient des loukoums à la rose en lisant Averroès. Dans les deux cas, ces représentations tout à fait fantasmées sont indissociables du regard qui est porté sur l'islam, un regard qui évolue au gré des contextes mais qui témoigne finalement de la place constante qu'occupe ce monde de l'islam dans l'imaginaire européen depuis au moins le XVIIIe siècle. Et il est tour à tour un repoussoir, un miroir, la preuve de l'altérité, de la proximité, notamment quand on convoque le modèle chinois, l'islam tout d'un coup devient un modèle tout à fait proche. Et dans le contexte qui est le nôtre, je veux dire tout à fait maintenant, hein, et depuis quelques années, depuis la montée de l'intégrisme islamiste, mais aussi son corollaire, la montée des extrêmes droites identitaires, je ne sais même plus si on doit dire les extrêmes droites identitaires, on doit dire la droite identitaire. Il y a même une sorte d'obsession de l'islam en France qui sature le débat public. Et la période médiévale est dans ce contexte sans cesse convoquée à l'appui de différentes thèses qui reposent la plupart du temps sur une méconnaissance assez crasse de son histoire. Et je me disais que j'en viendrais pratiquement à souhaiter une guerre, mais horrible, atroce, sordide avec le Danemark, hein. On pourrait exhumer les textes et montrer les horreurs commises par les Vikings de tout temps, hein, plutôt que d'instrumentaliser les quatre textes qu'on a sur l'islam avant le XIe siècle. J'aimerais bien qu'on oublie un petit peu l'islam, quoi. Alors l'islam, entendons-nous évidemment d'abord sur les mots. L'islam avec un I majuscule, c'est l'empire islamique, c'est-à-dire les pays qui appartenaient au Moyen-Âge à un monde social, ce que nous appelions autrefois une civilisation, mais je pense qu'effectivement, il ne faut plus utiliser ce terme, il faut en tout cas revenir ou alors savoir dans quel sens on l'utilise. Un monde social donc dominé par des souverains musulmans, dont l'islam, cette fois avec un I minuscule, est la religion. La distinction est importante entre ces deux façons d'écrire le mot islam, mais malheureusement elle ne se voit qu'à l'écrit. Elle ne s'entend pas à l'oral, ce qui entérine l'idée que pouvoir et religion sont bien plus liés en Orient qu'ils ne sont dans l'Occident latin médiéval, ce qui est faux. Alors, on avait bien trouvé, quelques collègues, un nouveau concept, celui d'islamique, pour qualifier l'État, donc on avait trouvé ça génial, hein, c'était celui d'État islamique, mais on se l'est fait piquer par quelques fous, et il est extrêmement difficile maintenant de l'utiliser. Mais il est efficace parce que précisément, il décrit une situation qui est celle d'un pouvoir étatique qui s'est développé dans les terres d'islam. Cet empire n'est pas un empire musulman. On a longtemps appelé ça l'empire musulman. C'est pas un empire musulman parce que au moins jusqu'au Xe siècle et peut-être jusqu'au XIe siècle, la majorité des populations de cet empire n'est pas musulmane, hein, ce qu'on oublie très souvent. Ce n'est pas non plus un empire arabe, car l'essentiel de ses habitants ne sont pas issus des grands lignages tout à fait identifiés de la péninsule arabique. Beaucoup sont persans, et les persans, ce sont les Irakiens et les Iraniens. Au Moyen-Âge, ne viendra personne l'idée qu'un Irakien puisse être un arabe. Il y a donc les persans, les égyptiens, les grecs, les arméniens, les berbères, les hispaniques, les turcs, etc. Et donc, les historiens préfèrent qualifier cet empire d'islamique. C'est l'empire islamique, bien plus qu'arabo-musulman, c'est-à-dire qui appartient au monde de l'islam avec un I majuscule. Là aussi, nous rejoignons la définition
ou les définitions qu'évoquait Frédéric Hurley, il s'agit d'un ensemble territorial vaste, regroupant plusieurs peuples, avec des langues, des cultures différentes, dans un cadre englobant qui prétend l'universalité. L'Empire a vocation à s'étendre sur l'ensemble de l'oïcoumène, car il est indissociable de l'institution califale, de la magistrature califale, et là on revient au sens du mot imperium, à la magistrature califale, qui est une magistrature universelle. Il est indissociable également de la religion musulmane, qui selon les juristes musulmans ne peut que se diffuser puisqu'elle est l'aboutissement des monothéismes antérieurs. Le terme arabe qui rend le mieux cette structure impériale est celui de mamlaka, d'empire, au sens de ce qui est possédé. C'est la même racine que Malik le roi, mais aussi Mamlouk l'esclave. Et donc il y a un processus de possession, avec évidemment à partir de cette racine toutes sortes de mots qui sont construits. On trouve également l'expression « bilad al-islam » ou « buldan al-islam », c'est-à-dire les pays d'islam. Et contrairement à ce qu'on dit trop souvent, ou très souvent, l'expression « dar al-islam », le domaine de l'islam, qui est opposé, mais là aussi dans un discours assez fantasmagorique contemporain sur le « dar al-harb », c'est-à-dire le domaine de la guerre, l'expression « dar al-islam » n'est jamais employée autrement que sous la plume des juristes, au moins jusqu'au XIe, voire XIIe siècle. C'est-à-dire l'idée qu'il y a deux mondes, le monde de l'islam et le monde de la guerre, c'est une réalité juridique. Ça n'apparaît jamais sous la plume, par exemple, des grands géographes, de ceux dont précisément la tâche est de décrire ce domaine. Donc, les pays d'islam ou la mamlaka, l'empire. Le titre que j'ai proposé est un petit peu provocateur, car la structure impériale suggère la puissance, la force des armes. Or, dans le cas de l'islam avec un I majuscule, et dans le cas, je crois, d'autres empires également, c'est précisément l'avènement d'un gouvernement impérial qui correspond à la fin des combats aux frontières. Ce qui ne signifie pas pour autant la fin des violences, mais en tout cas la fin des combats aux frontières. En d'autres termes, l'empire se constitue par la violence, mais doit ensuite l'expulser pour subsister. Alors voyons ces phases successives de l'histoire de l'empire islamique, à l'aide, alors je reprendrai la grille de lecture fournie par Ibn Khaldoun et qu'a évoqué Frédéric Hurley, dans le cadre notamment de la présentation de l'ouvrage de Gabriel Martinez-Gros, Brève histoire des empires. Alors, premier moment, celui de l'État conquérant, celui de la constitution de l'empire, et permettez-moi de reprendre dans les grandes lignes cette histoire, pardonnez-moi si vous les connaissez déjà, enfin les étudiants les connaissent déjà, mais je reprends pour les collègues. Alors, à la mort de Mohamed, que, s'il vous plaît, il faut arrêter d'appeler Mahomet, il a le même prénom que le voisin de palier, donc on arrête d'appeler Mahomet comme les orientalistes du XVIIIe siècle. À la mort de Mohamed en 632, le premier calife, Abou Bakr, tente de maintenir l'unité des tribus arabes, parce que c'est essentiellement ça les conquêtes. Le but est de faire l'unité des arabes dans une entreprise de conquête qui s'appelle le califat. Donc, pour maintenir l'unité des tribus arabes, il les lance dans ces conquêtes à l'extérieur de la péninsule. C'est alors, dit Ibn Khaldoun, que les Arabes entrent dans l'histoire. C'est-à-dire qu'auparavant, on a des noms de toutes sortes de tribus, mais on les appelle très rarement de manière générique les Arabes. C'est l'entrée finalement sur la scène de l'histoire et l'entrée dans l'écriture qui est acquise et permise par les conquêtes des cœurs sédentaires. Il s'attaque aux deux empires limitrophes. L'empire byzantin se voit amputé de ses très riches... Je dois avoir une carte qui fait très très scolaire, mais efficace. On voit quelque chose, ou est trop petite. Des conquêtes donc qui amputent déjà l'empire byzantin de ses très riches provinces de Syrie dans les années 634-638. Donc vous voyez que le phénomène est très rapide. Et d'Égypte au début des années 640, et très exactement au même moment, l'Empire perse est conquis et disparaît dans les oubliettes de l'histoire. Le califat, je le disais, est d'abord une institution de conquête, et la légitimisation du pouvoir repose en grande partie sur ces entreprises, dont je rappelle
que ces entreprises au Moyen-Âge ne sont jamais, ces conquêtes ne sont jamais des guerres de conversion, contrairement à ce qu'on dit et contrairement aussi à ce qu'on trouve là aussi sur toutes sortes de sites internet. Je vous donne un exemple très précis. Nous avons un gouverneur de Bazirak au 7e siècle, qui est un gouverneur arabe et qui est un même gouverneur omeyyade. Il appartient à la famille omeyyade, qui interdit aux chrétiens nestoriens de Bazirak de se convertir à l'islam. Parce que s'ils se convertissent, ils paieront moins d'impôts. Hein. Donc tous les fantasmes d'une histoire qui n'est rythmée que par l'opposition entre chrétiens et musulmans ne s'appliquent pas, notamment pour le haut Moyen-Âge et pour toute une grande partie du Moyen-Âge. Donc, ces guerres de conquête ne sont jamais des guerres de conversion. Il n'y a pas de conversion forcée à l'islam. C'est une guerre de domination politique. Et le but est de faire du butin, puis ensuite de lever l'impôt. Et les conquérants arabes n'auront pas besoin d'exercer de grandes violences pour obtenir à leur tour une rente fiscale que les populations des empires perses et byzantins étaient accoutumées à payer depuis plus d'un millénaire. Alors effectivement, on revient sur la théorie d'Ibn Khaldoun. Alors d'abord parce qu'elle permet effectivement d'expliquer une partie de l'histoire de l'islam, hein, peut-être plus d'ailleurs que celle d'autres empires, et que Ibn Khaldoun est l'auteur d'une très vaste somme qui s'appelle le Livre des Exemples, Kitab al-Ibar, mais qui est introduit par des prolégomènes, une introduction théorique qui s'appelle la Mukaddima. Et c'est dans cette introduction qu'il présente sa théorie de l'histoire. C'est l'un des très rares penseurs, des historiens, il y en a plein, mais des penseurs de l'histoire, il n'y en a pas tant que ça, qui propose un schéma d'explication de l'histoire. Et c'est le seul qui soit du Moyen-Âge. Alors, la rupture avec la littérature politique antérieure est radicale. Il ne s'agit plus de tendre un miroir au prince afin qu'il puisse voir le reflet de ses prédécesseurs et s'inspirer de leur exemple, ni même de définir la norme juridique et ses fondements religieux. C'est tout à fait autre chose. Sa pensée est bien plus que là. Elle est une théorie de l'histoire, une réflexion centrée sur la causalité historique expliquant l'émergence et la disparition des États. Le contexte de rédaction est lui aussi radicalement bouleversé. Ibn Khaldoun est né à Tunis en 1332, il meurt au Caire en 1406, mais à l'issue de son adolescence, au cours de son adolescence, le monde qu'il connaît change radicalement. On présente toujours les sociétés anciennes comme des sociétés qui n'évoluent pas sur le temps long. Alors peut-être que les progrès sont très rarement perceptibles, mais les reculs peuvent être brutaux. Et il y a la moitié de sa ville et la moitié de sa famille qui meurt dans l'épidémie de peste des années 1347-1349. Donc, alors, je ne sous-entends pas qu'on arrive à élaborer une théorie de l'histoire radicalement nouvelle quand tous ses maîtres sont morts, hein, je ne le dirai pas dans un haut lieu de la transmission comme l'université, mais fondamentalement, il élabore quelque chose de tout à fait nouveau. Il expose sa théorie, donc il illustre en déroulant ensuite avec beaucoup de minutie l'histoire du monde islamique. Très rapidement, pour compléter le schéma présenté par Frédéric, il existe pour lui deux formes de vie en société. Les sociétés sédentaires, regroupant les populations productives qui payent l'impôt, qui obéissent à un pouvoir, et dont la définition est d'être contrôlée par un État. Et de l'autre côté, les sociétés bédouines, mais quand on pense bédouin, on voit nomades chevaliers, mais pour lui, ce sont toutes les sociétés tribales, c'est-à-dire toutes les sociétés qui évoluent dans des conditions naturelles extrêmement difficiles, le désert, la steppe, la montagne. S'il les avait connues, les Inuits auraient tout à fait fait partie de cette définition. Et là, le principe même de ce type de population, c'est qu'elles ignorent totalement l'État. L'ordre public ne règne pas dans ce monde tribal qui ne connaît aucune institution étatique. Seules les solidarités familiales et claniques permettent aux hommes de subsister dans ces conditions difficiles, en vertu d'un esprit de corps qu'il appelle justement la Rasabiya. Ces deux mondes sont destinés à se rencontrer au cours de l'histoire, et si la sédentarité dispose de la richesse, cultive les arts et les sciences, elle a cependant perdu l'esprit de corps, la Rasabiya, que rendaient nécessaires les difficultés de l'environnement. Ces populations désarmées, les populations des cœurs sédentaires, les populations donc
des États monarchiques ou des empires sont défendus par des mercenaires qui sont payés par l'impôt. Et la monarchie qui veut réserver le monopole de la violence, qui veut se réserver le monopole de la violence pour se maintenir au pouvoir et percevoir les taxes, a affaibli l'agressivité naturelle des populations. Lors des inévitables confrontations, les Bédouins l'emportent toujours, dit Ibn Khaldoun, hein, et s'emparent du monde sédentaire. Alors, bon, ça marche peut-être pas tout le temps, mais avec le modèle impérial, ça marche souvent. Hein. Vous prenez les conquistadors, vous prenez quand même les invasions germaniques avec la fin de l'Empire romain, vous prenez les invasions mongoles dans l'Empire chinois. Vous avez toujours une toute petite minorité de combattants, mais tenus par la Khassabiyya et qui sont face soit à des armées mercenaires qui tournent le dos, hein, qui tournent bride, soit à des populations sédentaires qui sont à ce moment-là embrigadées dans les armées et qui se débandent assez rapidement. Les Bédouins l'emportent toujours, s'emparent du monde sédentaire qu'ils en viennent à dominer. Progressivement, au contact de la ville, la Khassabiyya originelle s'estompe, l'égalité tribale disparaît, une dynastie émerge qui monopolise le pouvoir. Et c'est là que la théorie d'Ibn Khaldoun est particulièrement intéressante. C'est un groupe, c'est une tribu qui a permis aux Bédouins de l'emporter. Pour que cette tribu se transforme en un pouvoir monarchique, c'est-à-dire en un pouvoir impérial, le pouvoir monarchique doit désarmer les siens. Et c'est ça qui est essentiel, c'est-à-dire qu'il doit désarmer ceux-là même qui l'ont porté au pouvoir et qui précisément s'opposeraient à l'établissement d'un pouvoir monarchique. Le paradoxe, c'est qu'à partir du moment où il désarme les siens, le pouvoir devient vulnérable. Lorsque l'État s'affaiblit, c'est qu'il ne manque jamais d'arriver car ses jours sont comptés comme ceux d'un homme, alors nulle armée de mercenaires ne sera efficace face aux assauts d'une nouvelle Khassabiyya venue des confins sauvages. Il y a certes eu dissolution de la bédouinité dans la sédentarité, mais entre-temps, le monde nomade a régénéré l'État. Tout ordre monarchique provient donc de la violence tribale, de ce monde qui échappe à l'État, lequel voit en lui le lieu du désordre par excellence. Donc c'est autour de ces notions qu'Ibn Khaldoun crée, fonde une véritable théorie de l'État. Tout pouvoir tire ses origines d'une force violente, guerrière, et ce qui lui permet de s'imposer à la tête de sociétés sédentaires et pacifiques. Progressivement, cette force s'use, la Khassabiyya se dissout dans les délices de la vie urbaine, jusqu'à ce qu'une nouvelle tribu, issue des marges, prenne le pouvoir. C'est ce qui explique que dans le monde islamique, comme dans la plupart des constructions impériales, le groupe au pouvoir est d'une ethnie différente de celle des populations gouvernées. L'acmé de ce processus dans l'histoire du monde islamique, c'est évidemment la période mamelouk, où vous avez des mamelouks qui sont au pouvoir au Caire, qui ont des grands bonnets en poil de chèvre alors qu'il fait 50 degrés à l'ombre au Caire, qui parlent que le turc, hein, qui sont à l'origine des esclaves soldats, qui mettent en avant leurs origines serviles et qui pratiquent toutes sortes de choses qui semblent tout à fait barbares aux populations du Caire, notamment de manger de la viande de cheval. Donc c'est un critère de distinction. Donc vous avez des ethnies qui sont différentes, des peuples hein, qui gouvernent les immensités impériales et qui ne sont pas de la même ethnie que ces populations. Pour Ibn Khaldoun, on voit donc des facteurs rationnels là, d'évolution de l'histoire. Il n'en reste pas moins qu'il réserve une part aux religions, à la part surnaturelle de l'histoire, que Dieu seul détermine, mais qui, ajouté à une Khassabiyya puissante, peut renverser le cours des événements. C'est ce qui se produit, dit-il, au moment de la naissance de l'islam, lorsque le souffle de la prophétie est porté par le peuple qui présentait alors les caractères de la bédouinité la plus forte, les Arabes. Mais leur Khassabiyya, comme toutes les autres, finit par s'épuiser et être remplacée, et c'est le cas dès le 9e siècle, mais surtout à partir du 11e siècle, par les Turcs. Les conquêtes, je reviens enfin à mon histoire, les conquêtes sont la manifestation de la Khassabiyya des Arabes, laquelle est portée au plus haut par la première dynastie califale, celle des Omeyyades, qui poursuit l'œuvre des quatre premiers califes, les Omeyyades qui relancent les conquêtes entre 670, à l'issue de la guerre civile, et 750. Conquête du Khorasan, l'actuel Afghanistan, notamment, échec devant Constantinople, conquête difficile et lente, et là Ibn Khaldoun l'explique, la seule conquête difficile de l'ensemble des conquêtes islamiques, c'est la conquête du Maghreb.
de l'Afrique du Nord. Pourquoi ? Parce que face à ces bédouins, vous avez d'autres bédouins, les berbères. Hein. Donc, difficile. En revanche, conquête éclair de l'Espagne, vieille terre sédentaire, en 711. L'essoufflement des conquêtes entraîne la déposition des Omeyyades en 750 par la révolte abbasside portée par des Persans qui mettent sur le trône un descendant de la famille du prophète. Et l'installation des Abbassides en 750, correspond à la véritable création de l'Empire, lequel consiste en l'organisation d'un ensemble territorial qui va, selon la formule consacrée, de l'Indus aux Pyrénées. Un empire qui fait le double de la superficie de l'Empire romain. Je dis juste ça pour embêter Frédéric. Je ne sais même pas si c'est vrai d'ailleurs, mais enfin, c'est ce qu'on retrouve tout le temps. Le double en superficie. Et qui, lors de sa plus grande extension, et qui abrite peut-être 40 millions d'habitants. L'islam touche aux deux limites mythiques du monde, la mer Verte, le grand océan environnant à l'ouest, et à l'est, la muraille de Gog et Magog, édifiée par Alexandre, et qui contient les peuples qui déferleront sur l'humanité lors de l'Apocalypse. Le nouveau califat met en place les mécanismes de l'Empire, dont le principal est le désarmement des populations. Hein. Ce n'est pas Gabriel Martinez-Gros qui le dit, c'est Ibn Khaldoun. Hein. Le plus important, c'est le désarmement des populations. Celui des habitants des vieux cœurs sédentaires est acquis depuis longtemps. On ne va pas désarmer les habitants des anciennes capitales persanes ou des grandes villes hellénistiques. En revanche, ceux qu'il faut désormais, ceux dont il faut renier les ailes, ce sont les Arabes. Il faut leur ôter leurs tranchants, et les Omeyyades qui se présentaient comme les meilleurs des Arabes, comme les faucons des Quraysh, ne sont plus. Ils sont tombés pour n'avoir pas voulu accorder une place à égalité avec les nouveaux musulmans, avec les non-Arabes qui s'étaient convertis à l'islam, ce qu'on appelle les Mawalis. Les Omeyyades n'ont jamais voulu accorder un statut d'égalité aux Berbères et surtout aux Persans, et c'est la révolte persane qui a entraîné leur chute. C'est véritablement avec les Abbassides, qui règnent de 750 à 1258, lorsqu'arrive cette fois une nouvelle Khassabiyya, autrement plus terrible, hein, puisqu'en 1258, le dernier calife abbasside est tué par les Mongols, qui l'enferment dans un sac et qui jouent au polo avec son corps. Là, c'est encore autre chose. Alors, très rapidement, hein, le fonctionnement de cette structure impériale, de cet empire abbasside, les Abbassides désarment d'abord les Persans, dont la révolte ils avaient menée sur le trône. Al-Mansour, le deuxième calife, qui est fondateur de la nouvelle capitale de Bagdad au cœur des terres persanes, fait immédiatement mettre à mort le chef de la révolte persane, Abu Muslim. Le califat est une magistrature qui relie directement l'empereur au prophète Mohammed. C'est pour cela qu'elle est réservée, cette magistrature, aux membres de la famille du prophète, enfin aux membres de sa tribu, les Quraysh, et dans le cas des Abbassides, à sa famille, puisqu'ils descendent de l'oncle du prophète Al-Abbas. La dimension religieuse fonde la légitimité de son pouvoir, mais l'évolution en un pouvoir dynastique nécessite de désarmer les Arabes. Et dès le 9e siècle, les obligations militaires des clans arabes sont abolies. Et en retour, les pensions dont ils bénéficiaient dans les territoires où ils étaient établis depuis les conquêtes sont supprimées. La totalité du produit fiscal est désormais concentrée dans la capitale, Bagdad, qui enfle de manière démesurée, peut-être aux dimensions de l'ancienne Rome ou de la Constantinople impériale, Bagdad entre 500 000 et 700 000 habitants au 9e siècle. Je ne reviendrai pas sur la prospérité exceptionnelle de cet empire, hein, qui était au carrefour, grand carrefour des régions du monde, qui est à cheval sur trois continents, qui diffuse des techniques agricoles, des révolutions agricoles, des techniques de commerce, etc., etc. À la place des Arabes qui sont désarmés, les Abbassides engagent des soldats professionnels turcs, réputés meilleurs combattants, dont certains sont mercenaires, mais d'autres sont des esclaves soldats. Turcs, c'est-à-dire qu'ils proviennent des marges de l'Empire, de zones qui ne sont pas forcément islamisées encore à cette période, et c'est ainsi qu'ils construisent la capitale de Samara, qui devient capitale de l'Empire en Irak, entre 836 et 892, pour cantonner ces troupes turques. Et puis finalement, ce sera un échec, ils reviendront à Bagdad. La professionnalisation de l'armée
et la nécessité de substituer au butin la levée de l'impôt induisent c'est ça qui induit la mise en place d'une administration califale. Et les grands ministères, les diwans, créés sous les Omeyyades, se structurent, se diversifient, gagnent en efficacité. Celui de la paix, de la poste notamment, pas de la peste, de la poste, le barit, permet d'entretenir les routes de l'Empire, d'avoir des étapes pour trouver des chevaux, etc. Celui des finances s'appuie sur des cadastres anciens ou nouvellement dressés pour mieux asseoir la fourchette de l'impôt. Et là aussi, on dresse la liste des peuples de l'Empire, hein, ce que montrait Claude Nicollet dans son ouvrage sur l'inventaire du monde. On fait là aussi l'inventaire de l'Empire. Et très souvent, les géographes sont des fonctionnaires, hein, sont des fonctionnaires impériaux, des administrateurs. Et il est important de connaître les dimensions de l'Empire. Les monnaies proprement islamiques se diffusent. L'arabe est partout la langue de la culture, de la religion musulmane et du droit. Ce sont d'ailleurs, et c'est assez intéressant de le souligner, des savants persans qui vont inventer la grammaire arabe. C'est-à-dire qu'ils vont inventer la grammaire pour mieux apprendre une langue qui était jusqu'à présent réservée à l'oralité. Les grandes écoles de grammaire de Basra et de Koufa, d'Irak, sont essentiellement ouvertes, financées par des servants persans qui ont besoin de maîtriser cette langue. Ce sont eux notamment qui vont doter cette langue des voyelles brèves, des points diacritiques qui n'étaient pas auparavant marqués dans une langue, encore une fois, réservée essentiellement à l'oralité. Le calife Al-Ma'mun, 813-833, fait traduire en arabe les principaux textes de la Grèce et de la Perse. Il dote l'État islamique, hein, d'une véritable culture impériale qui se veut l'héritage des cultures antérieures. Les géographes arabes, sur la base notamment de la réception des cartes de Ptolémée, écrivent des traités de géographie universelle. Ce sont les seuls qui sont écrits à cette époque. C'est-à-dire que si dans l'Antiquité la géographie est grecque, au Moyen-Âge elle est arabe. On n'a pas de traité de géographie universelle dans l'Occident latin avant le XIVe siècle. Hein, on n'en a pas. On a des chapitres de géographie, mais dans des ouvrages qui sont consacrés à autre chose. Il n'y a que dans ce monde arabe, si on prend un très large bassin méditerranéen, je ne sais pas du tout ce qui est écrit en Chine, il n'y a que dans le monde de langue arabe qu'on écrit des traités qui sont exclusivement des traités géographiques. Ce sont les grandes œuvres de la cartographie de la Terre au IXe siècle, et au Xe siècle, c'est l'apogée de la géographie arabe, la géographie des Masalik ou Mamalik, c'est-à-dire des itinéraires et des états, hein, des routes et des provinces, avec deux grands géographes qui représentent l'âge d'or du Xe siècle, Ibn Awqal et Muqaddasi. Le reste du monde n'est envisagé que comme marge de la mamlaka. L'étranger se confond avec l'étrange, et plus on s'éloigne de l'Empire, plus on sombre dans la barbarie. Ce qu'on retrouve aussi dans d'autres textes du IXe siècle, c'est pas parce que des peuples se convertissent à l'islam qu'ils sortent de la barbarie. Il y a cette idée que le cœur de l'Empire, ce sont des Arabes et des Persans. On a par exemple le grand ambassadeur Ibn Fadlan qui explique, en allant voir des peuples turcs ou les peuples, hein, les Bulgares de la Volga, quand ils se convertissent à l'islam, le père de famille se convertit à l'islam, il est turc, il se fait appeler Mohamed. Quand sa femme se convertit, elle se fait appeler Mohamed. Quand ses enfants se convertissent, il s'appelle Mohamed. Toute la famille s'appelle Mohamed, ça pose un problème. Bon. Et ça, ça fait évidemment rigoler cet homme du cœur de l'Empire, cet Irakien. Hein, qu'est Ibn Fadlan. C'est-à-dire que la barbarie ne se résout pas forcément uniquement en épousant l'islam. Le terme qui signifie les étrangers, ajam, est la stricte transposition de barbare. Ajam, c'est celui qui ne peut pas parler l'arabe. Et j'ai entendu l'autre jour à la radio que pour les Chinois, les barbares s'appelaient manmo et que ça signifie les silencieux. Hein. Donc on est très exactement là aussi dans une définition impériale. Précisons que l'arabe est la langue de la science au IXe et Xe siècle, quelle que soit l'ethnie, mais aussi quelle que soit la religion du savant. Il faut attendre le XIe siècle pour qu'il y ait une renaissance du persan comme langue de la culture. La fin des conquêtes a entraîné la stabilisation des frontières. La victoire remportée à Talas en 751 sur les armées chinoises n'a pas entraîné la conquête de territoires qui s'étendaient au-delà. Les armées islamiques ne pouvaient guère aller plus loin. Les Persans et les gens du Khorasan, les tribus sogdiennes, qui entrent alors dans l'histoire islamique et qui adoptent
l'islam, sont ramenés au cœur de l'Empire par la victoire des Abbassides et elles avaient d'autres tâches à accomplir. On peut faire presque de l'histoire-fiction et se demander si les légions de Varus, si elles n'avaient pas été détruites hein, en l'an 9, auraient continué au-delà de la conquête de la Germanie alors que la structure impériale se mettait en place. On ne saura jamais. L'échec de Constantinople, du siège de Constantinople en 717-718, entraîne la fixation des frontières avec l'Empire byzantin, le seul voisin auquel on reconnaît le statut d'empire. Le djihad n'est plus offensif. La frontière se fixe sur le Taurus. Et si l'abbasside Haroun al-Rachid, 786-809, mène une année sur deux le djihad contre le Byzantin ou contre les Byzantins ou le pèlerinage à la Mecque, c'est là aussi dans des soucis essentiels de légitimation intérieure. Il n'y a plus d'avancée territoriale majeure. Le but est de montrer la conformité du souverain au modèle politique islamique. L'Empire ne contre-attaque donc qu'à des fins de légitimité intérieure, de manière extrêmement ponctuelle et limitée, car les difficultés intérieures sont très très grandes à cause des révoltes et des soulèvements menés le plus souvent au nom du chiisme ou du khalidjisme. À l'ouest, le Limès se précise également dans le nord d'Al-Andalus. Le système militaire abbasside, qui repose donc sur des mercenaires et des esclaves soldats, les mamelouks, est toutefois particulièrement coûteux et très vite, dès 860-880, les charges financières considérables de ce nouveau système entraînent la multiplication des révoltes et des sécessions. Ce qui rend. Alors, Ibn Khaldoun dit qu'on entre là dans le cercle vicieux de l'État. Un cercle vicieux qui causera sa perte, toujours plus de soldats pour lever l'impôt, toujours plus d'impôts pour payer ses mercenaires. Or, les difficultés sont croissantes, car des pans entiers de l'Empire sont devenus tout à fait autonomes. Al-Andalus, dès 756, est dirigé par un survivant de la dynastie Omeyyade. Le Maghreb, en 740, est aussi à une histoire tout à fait autonome. Mais plus grave, des terres centrales, l'Égypte, à partir des années 870, a une existence tout à fait autonome, reconnaît nominalement la puissance de l'Abbasside en évoquant son nom dans les mosquées, mais on ne verse pas un sou d'impôt. Pareil dans Khorasan, dans des zones entières de l'Iran, vous avez des dynasties d'officiers indépendants qui gouvernent. Et bien sûr, c'est la fin du califat unique avec, au Xe siècle, une innovation tout à fait majeure sur laquelle j'irai très très vite. C'est la démultiplication de la puissance impériale à partir du Xe siècle. Il y a désormais trois califats rivaux. Alors, peut-on être un empire en trois hein? C'est ce que j'expédierai en quelques phrases. Proclamation de deux empires, de deux califats rivaux, outre celui des Abbassides qui est basé en Irak et qui a pour capitale Bagdad. Vous avez le califat chiite fatimide, proclamé à Kairouan en 909, mais qui ensuite fait la conquête de l'Égypte, où il fonde à côté de Foustat Mistre un nouveau noyau qui s'appelle Al-Qahira, c'est-à-dire le Caire, mais également conquête d'une partie du nord de la Syrie, conquête des villes saintes de Médine et de la Mecque, présence pratiquement jusqu'au Yémen. Vous avez donc un immense empire fatimide tout à fait central, méditerranéen, et vous voyez là la démultiplication de la structure impériale avec trois empires. Les Abbassides, qui sont tout à fait affaiblis et sous tutelle de premier ministre, les Fatimides, qui ont un empire méditerranéen, et un troisième empire, un troisième califat, qui est le califat Omeyyade de Cordoue, qui est fondé par Abdelrahman III, un Omeyyade, en 929. L'historiographie traditionnelle y voit la fin de la Mamlaka, la fin de l'Empire unique, donc la fin de l'Empire et une période de décadence. C'est en fait une démultiplication de l'Empire en trois entités qui toutes veulent refaire l'unité à son profit, à leur profit, et renforcent de ce fait la puissance impériale. Et plus personne ne conclut à un affaiblissement du monde de l'islam au Xe siècle. Au nom du califat Omeyyade de Cordoue, le Hajib al-Mansour, c'est le chambellan al-Mansour, l'Almanzor des chroniques chrétiennes, porte le glaive au cœur de l'Hispania chrétienne. Il incendie Barcelone en 985, il détruit Saint-Jacques-de-Compostelle en 997 et il réduit les petits royaumes chrétiens du Nord à des satellites de Cordoue. Les Fatimides, eux, mènent un djihad offensif en Méditerranée
Et les émirs bouillides qui ont mis sous tutelle les califes abbassides s'imposent en Orient. Ils sont ensuite remplacés par des Turcs seldjoukides qui vont à leur tour mettre le califat à partir du XIe siècle sous tutelle et qui vont porter des coups très forts à l'Empire byzantin, notamment en remportant la bataille de Manzikert en 1071. Il y a désormais trois capitales impériales, Bagdad, 700 000 habitants, Le Caire, 300 000, Cordoue, 250, 300 000. Au Xe siècle, trois califats, trois gouvernements impériaux qui exercent un très très fort rayonnement sur les marges. Alors, c'est là aussi qu'il est intéressant de voir ce qu'est un empire. Peut-on parler d'un empire omeyyade à l'échelle d'un territoire qui fait les deux tiers de la péninsule ibérique, c'est quand même pas glorieux, glorieux. Et là, c'est quand même, c'est très gentil, mais c'est plutôt une présence dans quelques villes hein, du côté du Maghreb, le but étant essentiellement de contrôler les débouchés des routes de l'or, notamment Sijil Massa. Eh bien oui, c'est un empire. C'est un empire parce que l'horizon est impérial, le modèle est impérial, la titulature est impériale, la culture est impériale. La bibliothèque Al-Hakam II, c'est 400 000 ouvrages, dit-on, très largement, c'est très, très, très largement exagéré au Xe siècle, 400 000 ouvrages, mais même si c'était 40 000, c'est quand même incroyable face aux, je sais pas, aux abbayes carolingiennes, je ne sais pas. Et vous avez donc un, très clairement un empire. Alors peut-être que cet empire est dû au fait que la dynastie qui y règne est une dynastie omeyyade, hein, certainement, évidemment. Mais toutefois, il y a renforcement de l'idéologie impériale, si ce n'est bien sûr de l'impérialisme. Cyril Hayé, dans une très belle thèse sur les chrétiens d'Al-Andalus, a montré que de l'autre côté de la frontière, au nord de l'Espagne, dans des zones qui n'ont jamais été islamisées, il y a des enfants qui sont appelés Marwan ou Mohamed ou Omar, des prénoms omeyyades, parce que ça fait précisément classe, ça fait impérial, de la même façon qu'aujourd'hui on s'appelle Jordan ou Kevin. Hein. C'est parce que c'est un modèle impérial. Bon, je conclue parce que je suis très 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 en retard. Trois grandes capitales, un modèle impérial, une culture impériale et donc une démultiplication de cette structure impériale. Toutefois, elle ne survit pas d'une certaine façon à l'effacement des califats, à l'effacement de la magistrature qu'il a portée. Et au XIe siècle, nous voyons l'émergence de ce qu'on appelle les peuples nouveaux dans l'histoire de l'islam, les Turcs à l'est, les Berbères à l'ouest, qui vont à l'ouest faire l'expérience de la disparition du califat dès 1031, à l'est d'un califat totalement sous tutelle, qui n'existe que pour légitimer des pouvoirs en place, mais là aussi, effacement des califats, effacement même de l'idée impériale, et toutefois conscience d'appartenir, malgré tout, à un immense ensemble qui va de Cordoue jusqu'au Khorasan, où l'honnête homme urbain partage les mêmes valeurs. Ce n'est pas la citoyenneté romaine concédée par l'édit de Caracalla, mais il y a la conscience très forte de faire partie d'un même ensemble. Et là aussi, l'effacement des califats ne signifie pas la fin de la puissance, hein, puisque, encore une fois, le Caire, 14e siècle, 700 000 habitants, importance sous la domination des Mamelouks. Nous avons donc un empire qui, pour ne pas avoir qui n'a pas à contre-attaquer, mais qui est resté tout aussi puissant.